C'est peut-être, c'est, bah, je vais dire, c'est peut-être Saken qui a pris le pseudo, une connerie comme ça, mais je pense pas, il n'y a pas de mastery. Ça donne Poppy dans Olaf, je pense que c'est pas ouf pour le pour la Poppy. En vrai, WoW va jouer aggro, je pense, mais on va voir. Je pense qu'il connaît pas extrêmement Vel'Koz. Cause. Genders are more easily discerned by the pitch of their cries. Ça fait Trinket Rouge, le truc de Fiddle, level 1? Neither half goes back. Arch of Cella et base. Après là, la lane est facile parce que level 1 il prend des Q spells pour rien. Je pense qu'il sait que je veux base, mais je suis pas sûr qu'il puisse réellement m'empêcher. C'est possible, mot top, mais respect.
Le problème, c'est que je veux bien aller jouer le Carapa avec toi, ma grande, mais la Harry est full life, full mana. Et ils ont Olaf et on n'a pas Poppy. Alors après, elle va peut-être TP, mais... Si elle TP pas, j'ai vraiment pas envie de le jouer. Hein. Je pense que c'est fine. Voilà, mon but c'est de le stock au mid on CD et lui forcer un bac de merde quoi, et de TP. C'est pas lui je pense. Si, c'est lui que j'ai touché, je l'ai cancel encore. Sa TP. Et je vais base pour avoir de l'avance sur lui. Il fait des bots. Ok. Fait composant. Et de faire couronne, je pense. Après, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, Everfrost non plus, en vrai. Je pense de faire couronne quand même. Mort. Elle a un flash. Mort de Harry. Bon, dans tous les cas, il était mort 1v1. Mais je sais pas pourquoi il flash. Enfin, c'est le réflexe, tu vois. Mais... C'est dur de perdre cet instinct de survie sur LoL. Parce que là, bon, dans tous les cas, si, c'est mieux qu'il garde son flash, tu vois. On va, il doit déjà être dans le bot side, donc on va jouer safe. Ça va certainement être pour moi en plus. Faut que je force le R de Wao. Ici, mais il va pas venir. Et là, WVT, disgusting. Et quand même la push. Je vais rester jusqu'au mythique. To date, none have survived preliminary testing. C'est pas un trade où je sais que je vais le tuer parce qu'il va être en range de bisous, mais en fait, claquer son R c'est toujours mieux. En fait, si je force l'air de la Harry, ils peuvent pas jouer. Bien joué. Là, pas de TP, je push cette wave et j'ai le mythique avec la plate plus la wave. Et il reste parce que bah j'ai instant de burn la wave. En vrai ça doit être tiltant pour lui mais bon, Harry dans Vel'Koz c'est pas une super réponse et je pense qu'il connaît pas le matchup, waouh. Moi je m'endette. Hein. Je suis vraiment bien. Je vais faire ça.
Je vais faire ça en deux, je pense. Oh, par contre, la botlane, c'est vraiment cringe. Il avait pas de flash? Est-ce que se prend la botlane? J'avais pas vu. En sachant qu'ils ont counterpick. On a counterpick support. Ils se prennent 30 CS, 2 plates. C'est du 2v2. Hein. Enfin, y a pas si elle était bot une fois. Au début. C'est dommage parce qu'on hard win top jungle mid, mais. La pire lane du jeu où globalement si ta team perd, tu ne peux pas win. Ils sont en train de se faire laver le cul. Bah, ça met bien. Ça risque d'être fun. Encore une fois, le trade n'est pas extraordinaire, mais vu qu'il a perdu son R, c'est bien pour moi. Il peut pas vraiment follow up la vaille du coup. Il a des bons mouvements, bah c'est waouh de toute façon, il est pas mauvais. Hein. Ouais, il peut rien faire. Je sens que ça va être dur. Pas de R. Well. GG. Fun game. Je pense que je dois faire des dégâts pour faire un truc dans la game. Il est mort au top encore. Ok. Bon, encore une game perdue en 10 minutes. J'aurais mis 10 CS à Waouh, je l'aurais mis sous tour toute la game, j'ai 2 plates, mais. Bah, mon impact dans la game, juste 0 en fait, je ne peux rien faire. La botlane fait 0-7, et on a joué top toute la game, et il se fait 1v1, donc bah, GG. Et lui, il peut dire It's lovely avec sa poppy. Hein. On a joué pour toi toute la game, tu viens de te faire solo kill juste avant. Yep. Bah GG. C'était fun. C'était fun. Ils ne vont pas gagner. Vas-y, il est heal. Mais elle sait pas jouer Zeri en vrai. Elle met même pas ses auto-boosts. Ok, elle a tué au top. Bots. Et tu vas pas me dire que Zeri c'est mauvais dans Jhin. Hein. Le mec a une counter pick support, il pique Sona et ils font 0-9 au bot, il ose ping le jungle,
On souffle en fait, genre vraiment, juste on souffle, c'est du 2v2 pur. Je peux pas y faire grand chose, elle aurait pu counter gank au bot et peut-être sauver sa botlane, elle est peut-être au mid. Je vaux pas énormément de gold, c'est un peu whatever. De toute façon, dans tous les cas, je joue cette page de rune et ce stuff juste parce que c'est Arrivaille en face. Mais on a perdu, je pense. On a perdu. Ce qu'ils ont donné à Jhin dans la game avec Vi Harry pour nos aggro on CD, on gagnera pas la game. Je vais pas jouer ça parce que je pense qu'on perd la game si je joue Manda. Je vais jouer Shadow Flame Rabadon et essayer de faire le max, mais on a perdu, je pense. J'ai mis un pain de ça, mais Vi va venir en fait. La botlane est déjà en train de shift sur moi aussi. Ok, Vi est sur Harry. Je m'en fous, de toute façon. Ah, il avait encore les stacks de R avec Harry. Le Jhin me force à dodge pour ça, quoi. Il y a le shot dans le toile. Elle est morte. C'est tellement cringe. Ça me dégoûte, notre rôle. Il y en a encore le R. Copie cassée quoi, frère. Il gonfle le jardin.
Je peux faire ce que je veux contre WoW au mid. La bot lane fait 0-10. C'est la seule lane qui est importante dans la game. Ils perdent, on a perdu. On peut pas win cette game en fait. C'est là les ressources qu'il nous faut pour tuer le djinn. C'est ridicule. Et le problème, c'est même pas le djinn. Yumi va aller sur le Olaf. Il va juste un V9. Hein. Le Olaf arrive en second rideau en fight. Il presse Ghost, R, la Yumi sur lui. Ou même sur la Vi. Hein. Le fight est lose. Le fight est lose, on peut legit rien faire. Hein. Il y a Jin et Yumi. Sans fire le sort de mon truc en fait. Parce que son fire sous Ghost fait qu'il sort de mes spells. À travers ma barrière. Elle m'a mis 142. Donc elle m'a mis 3. Elle m'a mis 450 avec une auto. Ok. Terry. Bot lane is helping. Wouhou, des gold. 16-32. En fait, la game me pète les couilles parce que... En fait, le... Genre... Je peux faire ce que je veux. Je ne peux pas décider de la game en fait. Genre je ne peux rien faire. J'aurais tué WoW 3 fois au mid que ça n'aurait littéralement rien changé. Elle a pas corps de Mikael. Qu'est-ce que... Non mais me faites pas... Bah c'est vraiment vraiment mais ridicule. Hein. Il a l'air... Le timing de son arrêt était vraiment bad. Je suis mort. Ah plus la team. Le fidèle n'a pas très bien joué sur ça, mais bon. Ah. Bah au moins ils finissent pas la game, I guess. Parce que le Lini... Enfin, le Nexus est open, quoi. Thank you.
impressive performance. Ils finissent tous les jours, bon ils arrivent même pas à la tuer la vaille. Comment c'est possible d'être aussi low, genre le mec a le counter pick support, il pick Sona pour faire cette game, genre. C'est un putain de clown, il a déjà fait un champ, il a déjà joué le champ en fait. Moins 27. C'est un OTP. C'est un OTP Sona, ce fils de pute. 700 000 points de mastery. Il a counterpick le mec en face, genre. Ne dites pas que ce mec monte parce qu'il est fort, genre. Hein. Le mec, il a 7 elo uniquement parce que les enchanteurs, c'est cancer cringe. Il a 1000 games, il doit être à son pick elo. En plus, il va démote, là. Oh là là, ça me dégoûte, putain. On peut pas avoir juste des êtres humains en bot. Lui, c'est pas un être humain, en fait, genre. C'est ce qui supporte, je joue mieux que lui, genre. Et en face ? Un OTP Yumi, diamant saison d'avant. Ah bah lui aussi, il doit être très fort en vrai, je pense, au jeu. Même en Aram, il joue Yumi. Fin. Putain, on avait des talents. Des talents. Il a rien dit dans la select. Mais c'est pour ça qu'on perd en fait. Il a dit vous. Mais parce que lui devait pas être mieux. Parce que top ça allait, il jouait un peu le jungle. Bon en vrai il joue Fiddle dans Vi, c'est pas non plus le plus simple, mais il joue aussi. Je veux juste voir bot parce que je pense que ça doit être mais fascinant vraiment. Ça va vraiment être terrifiant. Bah déjà comment ils peuvent... Ah mais c'est... Ah mais d'accord, donc la Sona n'a pas base. Elle a couru bot sans prendre de potion avec 200 HP. Ok. Ok. Donc déjà, notre botlane n'a plus de potion. Level 1. Ah déjà, ils ont bien de la chance que le Jhin ne met pas un flash auto sur la Sona parce qu'elle est morte. Genre, son level, c'est ridicule. Ok. Il n'y a plus de summoner. Ok, mais la Sona... Enfin, ok. Elle meurt d'un Q-spell de Yumi. Je sais, ça doit être proche de ça. Hein. Je pense qu'elle doit mourir d'un Q-spell Yumi. Avec un W Jhin qui follow-up. Je pense, hein. Elle met un Q-spell comme ça. Ok, elle l'a raté. Ah là, le fait que le Fiddle ne soit pas en train de venir, c'est un peu honteux, mais... Ok. Après, ils ont encore les summoners de Yumi, hein. Ah,
Ah ouais, la tentative de flash est pas mauvaise. Ils ont encore l'exhaust, du coup il prend qu'un kill. Après le Fiddle a mis du temps, il a fini son raid avant d'y aller. Et le niveau de la lane c'est... Ils les ont juste l'air de se faire lever le cul. Intéressant. Bah vraiment les deux games, c'est exactement les mêmes games, genre. 5-20. 2-18. My bad.